La première partie de cette vidéo était dans mon langage originel. Beaucoup de gens supposent que quand je dis que c'est mon langage, cela veut dire que chaque partie de la vidéo comporte un message symbolique particulier conçu pour être interprété par une intelligence humaine. Mais mon langage ne consiste pas en mots, ni même en symboles visuels devant être interprétés par les gens. Il consiste en une conversation continue avec chaque aspect de mon environnement qui me fait physiquement réagir à tout ce qui m'entoure. Dans cette partie de la vidéo, l'eau ne symbolise rien. Je suis simplement en train d'interagir avec l'eau de la même façon que l'eau interagit avec moi. Loin d'être gratuite, ma manière de bouger est une réponse en temps réel à ce qui m'entoure. Il est amusant de voir que quand je réponds à tous ceux qui m'entourent en bougeant à ma manière, on me dit que je suis dans mon monde, alors que si j'interagis avec un nombre beaucoup plus limité de réponses et que je ne réagis qu'à une part beaucoup plus limitée de mon environnement, les gens disent que je suis ouverte à une véritable interaction avec le monde. Ils jugent mon existence, ma manière de percevoir et d'être une personne en s'appuyant sur une toute petite partie du monde à laquelle j'ai l'air de réagir. Ma manière naturelle de penser et de répondre aux choses semble si différente des concepts dominants ou des modes habituels de représentation que certaines personnes refusent d'y voir même une pensée, alors qu'il s'agit d'une manière de penser absolument légitime. Il se trouve que la pensée des gens de ma sorte n'est prise au sérieux que si on prend votre langage. Mm-hmm.
quoi que nous ayons pensé ou fait auparavant. Comme vous avez pu entendre, je sais chanter en chœur avec ce qui m'entoure. Mais c'est uniquement quand j'écris quelque chose dans votre langage que vous parlez de moi comme d'un être de communication. Je sens les choses, j'écoute les choses, je sens la texture des choses, je goûte les choses, je regarde les choses. Ce n'est pas assez de regarder et d'écouter, de goûter, de sentir et de toucher. Il faut aussi que je le fasse avec les bonnes choses, comme regarder un livre, et que je renonce à le faire avec les mauvaises choses, sinon les gens doutent que je sois un être pensant. Et puisque leur définition de la pensée définit leur définition de ce qu'est une personne à un point ridicule, ils doutent de ce que je sois aussi une véritable personne. J'aimerais bien savoir combien de gens parmi vous, si vous me croisiez dans la rue, croiraient que j'ai écrit cela. Et je trouve très intéressant que la difficulté à apprendre votre langage soit perçue comme un handicap alors que la difficulté à apprendre mon langage est considérée comme tout à fait naturelle, et que les gens de ma sorte soient officiellement décrits comme mystérieux et déconcertants, plutôt que d'admettre jamais que ce sont les gens qui sont déroutés et non les autistes ou autres handicapés cognitifs qui seraient par nature déroutants. Nous sommes perçus comme non communicants si nous ne parlons pas le langage standard, alors que les autres gens ne sont pas perçus comme non communicants s'ils sont inconscients de nos langages, propres au point qu'ils croient qu'ils n'existent pas. Pour finir, je veux que vous sachiez que cette vidéo n'a pas été conçue comme un spectacle de foire pour voyeurs, où vous pourriez jeter un œil sur le fonctionnement bizarre de l'esprit autiste. Elle est pensée comme une affirmation vigoureuse de l'existence et de la valeur des manières multiples de penser et d'interagir dans un monde où votre familiarité avec l'un d'entre eux détermine si vous serez perçu comme une véritable personne ou comme un adulte, ou comme quelqu'un de doué d'intelligence, et dans un monde où c'est cela qui détermine si vous avez les moindres droits. Il y a des gens qui sont torturés,
Des gens qui meurent parce qu'ils sont considérés comme des non-personnes parce que leur manière de penser est inhabituelle au point de n'être pas reconnue comme une pensée. La justice et les droits de l'homme ne seront possibles que quand les multiples manières d'être une personne seront reconnues.